Et puis, comme c'est bien comme ça, là, on va t'acheter du déodorant, non? Monsieur? Oui? Vous vous êtes lavé ce matin? Attendez, madame, c'est votre fille, là? Ah, non, non, je la connais pas, hein? Et monsieur, le matin, quand on se lève, on se douche, en fait. Ah ouais? Ouais, vous sentez fort et je sais que c'est vous, ça pue vers vous, là. Quand on se lève le matin, on n'a pas forcément le temps, hein. Et toi, t'inquiète pas, je connais un bon coiffeur pour toi. Pourquoi faire? Mais t'as vu ta coupe, s'il te plaît? On dirait ma voisine du 4ème. C'est qui? Ah bah, c'est madame Blanchard. Ah, ok. Madame, vous devriez avoir honte de votre fille. Bon, mais je t'ai dit que c'était pas ma fille, hein. Bon, ok, c'est ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, maman, c'est bien. On n'a pas peur, nous. Eh, hey, vas-y, moi, je m'en vais. Bon, mais bon vent. Et puis, va te laver. Eh bah, va te coiffer, toi. Il parle de toi, hein, quand il a dit coiffer. Hein. Moi, je suis belle, hein. Bonjour à tous. Excusez-moi de vous déranger pendant votre trajet. Vous pouvez parler moins fort, s'il vous plaît? Je la connais pas, hein. Je serai à ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes volent, il y en a plus que dans mes spaghettis. Le frérot, c'est sûr qu'il écoute du rap là. Aïe, 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 aïe. Bon, mais monsieur, ça va tranquille, je vous dérange pas là? Ah non, 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 ça va. Oh, vous me dérangez pas. Bon, mais ferme tes jambes là. Non, mais ça va, monsieur, tranquille, je vous dérange pas là. Vous voulez pas un café? Non, 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 ça va, merci. Je préfère le thé, moi, j'aime pas le café. Avec tes grosses chaussures là. Je serai à ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes poules, il y en a plus que dans mes spaghettis. Bonjour, bienvenue dans mon humble demeure. Je vous laisse me suivre. Hein? Mais maman, t'avais pas réservé un Airbnb que pour nous? Bon, mais si, j'avais réservé une chambre que pour nous, mais chez l'habitant, enfin chez l'autre. Oui, oui, madame, vous venez de le dire. L'autre, c'est moi. Ah, c'est vous l'autre? Oui, oui, c'est moi. Et tu t'appelles comment, monsieur? Je me prénomme Ronald, jeune fille. C'est un prénom, ça? Oui, madame, c'est un prénom très répandu chez nous, bah, comme chez vous, hein, les Babacar, les Moussa. Et là, pour finir, vous avez la cuisine. Monsieur, c'est quoi le code de la Wi-Fi? Le code de la Wi-Fi, bien sûr, je l'ai. Merci. Voici. Hein? Bon, mais il va rester longtemps ici, lui, là. Mais maman, il y a quoi que t'as pas compris? Il est chez lui, il sera tout le temps là. Oh. Ça a l'air bien bon, ce que vous mangez. Vous vous sentez comme chez vous. Dans votre pays, là-bas. Oh. Maman, j'ai froid. Mais tais-toi, Minata. Moi aussi, j'ai froid. Hein. Y a pas que toi. Hein. Je peux augmenter le chauffage, si vous voulez. Ah, merci, monsieur. C'est gentil. J'espère que vous avez passé un agréable séjour. Et puis, j'espère que j'ai pas été trop collant. Ah si, si, moi j'ai trouvé. Non, 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 pas du tout, non. Et si je peux me permettre, je vous file mon numéro de téléphone. Si vous voulez revenir seul, c'est sans problème. Vous aurez moins froid. Pourquoi il a dit ça, le monsieur? J'ai pas compris, maman. Non, mais parce qu'il parle de l'été, c'est pour ça, l'été, il fait chaud. Printemps, été, automne, hiver, c'est quand vous voulez. Moi, je suis chaud. Bon, mais monsieur, oh, désolé, je suis marié, moi. Vous êtes pas la seule, madame. Bon, mais allez, on y va. Je serai à ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes volent, y'en a plus que dans mes spaghettis. Maman, viens voir, y'a quoi sur le frigo de la cuisine? C'est quoi cette horreur là? C'est un dessin. Bon, mais c'est qui l'a fait? Bah, pourquoi? Bon, mais la personne qui a dessiné ça, elle avait pas de lunettes ou elle était aveugle ou. Moi, au moins, je sais écrire. Tu parles de qui là? Non, non, personne. Morgan Chiaoré. Non mais allô, j'ai envie de vomir là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi ça? Mais c'est un dessin que j'ai fait.
Ah, mais il est beau de ouf, en fait. J'ai jamais vu un dessin aussi beau. Putain, ça. Ton vilain dessin, là, on dirait Suleiman. Non, mais allô. Va mettre tes chaussettes dans ton soutif pour faire genre ta dessin. Sache qu'avec la muraille de Chine et ton front, il n'y a aucune différence. Waouh. C'est quoi, ça? C'est de l'art ou c'est quoi? Ah, oh, merci, papa, je t'aime. Non, mais c'est magnifique. Non, mais je rigole, hein. On dirait ta mère quand je l'ai connue. Pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes poules, il y en a plus que dans mes spaghettis. Non mais regarde-moi ça. On dirait que t'as pas mangé depuis 15 ans. Ouais, je mange doucement, non? Eh vas-y, ferme ta gorge. Vilain, va. Tu sais même pas manger, t'es tout sale. Ah ouais? FPI, va. Et je comprends pas, là. Fausse perruque infiltrée. Non mais t'es pas marrant, en fait. Salut. Ouais, c'est ça, ouais. M'acheter, va. Maman. Bon, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'accompagnes au centre commercial, s'il te plaît? Tu me payes combien? Pardon? L'essence, c'est pas gratuit, hein? L'inflation, tout ça, là. Tu me donnes combien? Non, mais allô, je vais y aller à pied, c'est bon. Bon, mais bon, vent. Ah. Bon, mais c'est qui, ça? Allô? Merci, je suis pas intéressé. Mais je vous dis que... Bon, mais j'ai déjà une box et... Aminata, tu veux quoi m'acheter? Non mais allô, pourquoi t'es tout le temps aigri comme ça là? Si je suis autant aigri, c'est parce que je tiens de maman. Pardon? Moi je suis aigri, moi? Oui. Mais c'est faux. Maman, maman, j'ai passé le niveau 2 dans mon jeu. Bon mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oh! Maman, à mon mariage plus tard, est-ce que tu penses que mon homme il va... Bon, attends, je te coupe. Tu crois vraiment qu'un être humain un jour va venir te demander ta main, toi? Un humain? Ah ouais? Non. Oh! Bon, c'est vrai, mais... Bah, toi, Binta, tu peux parler, hein? Pardon? J'ai jamais vu une menteuse comme toi. J'avoue, menteuse que tu es. Moi? Eh, Binta, tu vas où, là? Je vais chez ma copine Chloé. On a des devoirs à faire. Bon, mais Binta, va faire la vaisselle, dépêche-toi. Mais papa, je peux pas. Je t'ai dit que j'avais une tendinite au genou. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, ouais. Bon, je vais le faire, hein. Ouais, alors... Oui, bon, des fois, je mens, c'est vrai. Mais je suis allé voir un médecin et il m'a prescrit un médicament parce qu'il m'a dit que si je mentais souvent, c'était pas... Et vous allez où? Faut que je dose un peu, je crois. Ouais, je rate ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes, poulettes, y en a plus que dans les spaghettis. Papa? Quoi? T'aimes maman? Non, mais allô? Ben oui, je l'aime, pourquoi? Non mais je sais pas, depuis que je suis née, je vous ai jamais vu vous embrasser ou faire des câlins ou rien du tout. Non rien. Mais tu crois qu'on est chez les blancs ici ou quoi? Mais c'est pas le rapport, maman. Attends, mais c'est vrai, tu les as jamais vus s'embrasser? Mais je te jure, Aminata, jamais. Non mais quand j'y pense, je les ai jamais vus aussi. Bon, mais vous voulez quoi en fait? Hein? Toi, Suleiman, par exemple, on t'a jamais vu avec une femme. C'est pas pour autant que, soi-disant, tu aimes les... Enfin... Hein? Là, mais maman, mais lâche-moi la grappe. Tout le monde sait que j'aime les femmes ici, tout le monde. Bref, votre mère et moi, on est pudiques, c'est tout, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vous avez bien fait du sexe pour qu'on soit nés, nous, non? Vous étiez pas pudiques, là? Alors là... Là, mais non... Attends, mais comment elle sait comment on fait les bébés? Elle, on lui a jamais dit. Mais je sais pas. Non, mais allô? Ouais, je rate ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes poules, il y en a plus que dans mes spaghettis. Bon, mais c'est dommage que Binta n'est pas disponible pour nous aider. Hein. Elle fait quoi? En direct de ma story privée. Hein. Tout ce qui est ici reste ici, ok? Personne balance. Bon, ben là, direction la Tour Eiffel. Je suis en date avec mon gars. Elle fait un exposé avec sa copine, la Chloé. Ah, Chloé. Ouais, ouais, ouais. Maman, tu me donnes combien si je te dis vraiment où est Binta? Moi, je sais et j'ai des preuves. Oh. 200 euros? 5 euros. Ok. Elle est en date, regarde. En direct de la Tour Eiffel. Ah là là, comment c'est trop haut. On voit les gens en tout petit. Allah, elle a menti. T'as vu? Eh, tu vas où, maman? Je vais la tuer, j'arrive. T'es modèle. Et Moussier, il faut payer pour monter sur la Tour Eiffel, là? Oui, madame. Ah, c'est pas grave, je vais attendre ici. Elle est armée, elle est armée!
Madame, arrêtez-vous tout de suite. Arrêtez-vous, stop. Fait divers, une femme a tiré sur la tour Eiffel. Nous retrouvons notre envoyé spécial tout de suite. Oui, Benjamin, je suis en direct de la tour Eiffel. Que se passe-t-il? Nous vous écoutons. Je rate ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes volent, y'en a plus que dans mes spaghettis. Bon, mais c'est qui lui? Mais je sais pas, je le connais pas, pourquoi? Mais pourquoi tu le mets en fond d'écran alors? Je sais pas, j'ai mis au hasard. Tu aurais pu me mettre moi, hein? Pourquoi faire? Ta vilaine tête que je vois tous les jours là? Merci, ça ira. Quand j'aurai un smartphone comme vous là, on verra qui je mets en fond d'écran là. On verra. Je m'en fous. Tu penses qu'ils vont divorcer un jour? Mais non, ils s'aiment trop pour ça. Je te déteste, tu es vilaine. Et puis tu me prends de haut, hein? Je te prends de haut parce que tu es petit. Tu es un petit homme de 1m60. C'est faux. C'est vrai. Bon, je vais aller me coucher, moi. Au fait, ce soir, si t'es encore au téléphone avec ta copine, là, je t'en supplie, serre un peu ta gorge. Ou ferme-la carrément, je sais pas, moi. Oh, tu parles trop fort. Il y a des gens qui travaillent demain. Moi, j'ai école. Mocheté que tu es, bah. J'ai jamais vu aussi moche que toi, non mais allô. Ouais, ça doit être ça, ouais. Bon, mais c'est vrai, je suis petit un peu, c'est vrai, oui. Bon, mais tu vois, quand tu admets, c'est mieux. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais toi, tu es enrobé, je dis rien, moi. Moi, je suis enrobé, moi. Alors là. Ouais, je rate ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes volent, y'en a plus que dans mes spaghettis. Aminata. Quoi? Réveille-moi dans 30 minutes. Ok, maman. Maman. Bon, mais y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Mais tu m'as demandé de te réveiller. Quoi? C'est pour ça que tu m'as réveillé? Bah, oui. Aminata, dès que je me lève de ma sieste là, tu vas voir ce que je vais faire de toi, tu vas voir. Et tu fais quoi? Je prie. Pour? Pour pas que maman se réveille. T'as dit quoi? J'ai dit je prie pour pas que maman se réveille. Attends, vas-y, redis. Mais t'es sourde ou quoi? J'ai dit je prie pour plus que maman se réveille. Il faut plus qu'elle se réveille, plus jamais. Alors là. Aminata, c'est qui la boss? Sûrement pas toi. Et c'est qui la plus belle? Encore moins toi, moche t'es. Maman, regarde, tiens. Binta, va me chasser le AK-47 là, plus pour un grenade. Ok, je rate ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes volent, y'en a plus que dans mes spaghettis. Ah, quelqu'un. Bonjour. Mais t'es qui toi? Ben, c'est moi, ma gloire. Celui de la télé là? Oui, c'est ça, ouais. Ah, mais tu fais quoi ici? Enfin, tu sors d'où? Ben, je suis un ami de tes parents. Depuis très longtemps. Alors je les attends. Oh là là. Quoi? Il y a Magloire de la télé là, il est là devant moi. Magloire? Mais c'est Magloire. C'est notre ami, hein. Il est riche, hein. Bon, mais tu sais, Aminata, moi j'ai un ami, hein. Il s'appelle Magloire. Il est très très riche, hein. Ah bon? Aminata, retiens-le. Ok. Elle arrive. J'aimerais tellement avoir un... Pardon? T'as dit quoi, ma bubus? Non, je disais que j'aimerais tellement avoir un pantalon à ma taille, mais papa et maman, ils disent qu'il faut serrer la ceinture parce qu'on n'a pas trop d'argent. Bon, attends, bouge pas, ma bubus. Hein, c'est bien beau, le pantalon, hein. Oh, merci. Les garçons, ils vont plus se manquer de moi à l'école. Enfin, peut-être pour mon cartable, mais... Ben, dis-moi, qu'est-ce qu'il a, ton cartable? Mais il est tout déchiré, regarde. Je reviens. Regarde, il est tout déchiré. C'est pour augmenter. Hein. Merci. C'est l'inflation. Au revoir. Dégage. Je m'en fiche. J'ai eu 657 euros. Petite Jose. Magloire, ça va? Oh, comment vas-tu? Bon, on m'a volé ma voiture, mais bon, ça va, hein. C'est... Pardon? Ta voiture? Je te jure, Magloire, on m'a volé ma voiture, là. Tu veux combien? Ah, merci mon ami, hein, c'est gentil, hein. 45 000, hein. Bon, mais c'est pas grave, merci, hein. Mais vas-y, ouais, elle a trop d'expérience, elle. Ouais, je rate ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes volent, y'en a plus que dans mes spaghettis. Mais c'est qui? Mais c'est moi.
C'est qui moi? Je connais pas de moi. C'est Souleymane. Bon, mais pourquoi tu as pas pris tes clés? Hein? Ils sont où tes clés? Mais ouvre, je te dirai quand je serai monté, vas-y là. Moi, avant de sortir, je regarde si j'ai mes clés ou pas sur moi. D'accord, maman, mais ouvre la porte s'il te plaît. Bon, mais qui me prouve que c'est toi là? Mais c'est moi. Mais c'est qui moi? Tu as pas le prénom? A few moments later. Je te demande juste de me prouver que c'est toi, Souleymane, c'est tout, hein. Maman, tu veux que je te dise quoi là? Bon, mais c'est quoi ma taille? Je mesure combien? Mais j'en sais rien. C'est quoi ma couleur préférée? Le rouge. Le rouge? Oui. Ressemble quand tu auras la bonne réponse. Bonne nuit. Allô? Montrera à quel point le monde est petit. Les boulettes poules, y'en a plus que dans mes spaghettis.